Bah oui. Eh bien bonjour à Arrête, toi, attention, mais qu'est-ce que ça je va retrouve pour partir une au nouvelle bout d'une vidéo, heure? c'est Je suis sur un jeu de vraiment pas voiture. con. Je sais Je pas, sais plus c'est comment une il s'appelait, je crois qu'il course. s'appelle Just Drive Est-ce que Simulator. c'est allé voler? Donc là je roule avec Non, une il est parti. BM. Il est parti comme un voleur en fait. Et Je j'ai crois que entendu c'est la des bruits. M5, pas sûr. Ouais, pas cool. On n'a même pas eu le temps de se faire une bouffe Ah ou bon un biscuit voilà. ou rien quoi. C'était jamais Bon, parti avec lui. le titre de la Ah ouais, vidéo quand sera même. pas là, attends. Non, je pense pas du tout. Donc Mais elle quand est. même, sauver Daisy. Ils vivent dans une tente sans matelas, dans un endroit infesté de bestioles, et des fois il n'y a pas internet. Sérieux? Oh là là, j'avoue. Ils rentrent quand? Je sais pas. Donc là, il y a le compteur, il est marqué là. Deux Je vais minutes, pas j'ai mieux un vous t-shirt. le décrire. Ça vous dit quelque chose? Non, je ne crois pas. La trentaine, Corse. Il est sorti récemment des brevets. Oh C'est un là. proche du clan Paoli. Le cousin de Vanessa Paoli. Ouais. Et il travaille pour Karim Fedala. Fedala serait le commanditaire de l'attentat? Non, on pense que Karim Fedala est hors de cause. On penche plutôt pour Abdel Fedala, son fils. Mais pour le moment, on n'a pas de preuves. Écoutez, pas Moi, il n'y a pas mais moyen que. je Il n'y a viens de pas un retrouver moment cette que je information. roulerai calmement. Vous pouvez compter sur nous, on lâchera rien. Vous êtes Je peut-être veux au bien courant. essayer. Les deux derniers blessés du fourgon sont décédés il y a quelques heures. 19 et 16 ans. Je peux me permettre de vous donner un conseil? Je vous écoute. Je sais que c'est pas facile, mais vous devriez mettre de la distance avec tout Attendez, ça. N'en regardez. faites pas une affaire personnelle. C'est impossible. Regardez bien, ça démarre comme Tous ces ça. morts, Je n'ai personne pas ne prêt pouvait quand prédire ce qui vous. allait se passer. Si j'avais respecté la procédure comme vous me l'aviez dit, on n'en serait pas là. C'est une erreur de jugement. C'est humain. Ça peut arriver à tout le monde. Permettez-moi d'être le seul à en juger. On y va là, au fond les manettes. Tenez. Non, merci. C'est le passeport pour la jeunesse Est-ce qu'on éternelle, va pas monsieur. avoir de temps là tout de suite? Très en route. Ce sera plus chiant. Hey, beau gosse. Beau gosse, tu veux scooter à bord de rêve? Jawad Fitness, juste en face. Si je connais pas. C'est un peu comme ça, quoi. Mademoiselle, tout va bien? Ouais, ça va, ouais. J'hallucine. Quoi, on se connaît? Oui, enfin non, pas encore, je viens de 2027. Dans le futur, on est mariés, femme, toi et moi. Sans déconner. J'ai dû revenir du futur pour t'empêcher de faire une énorme connerie. Genre? Passer à côté de moi sans me reconnaître? Ouais, bah c'est raté. Attends, je peux au moins savoir ton prénom? Bernadette. Bernadette. Et moi c'est Gaston. Hé, on est fait l'un pour l'autre. Attends, tu fais quoi là? J'immortalise ce moment de notre première rencontre. Arrête ou je hurle là. Eh mais t'es vraiment un grand malade toi. Waouh. Tu sais où il est? Très bien, c'est noté pour le 23. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Maman, tu vois pas que je suis au téléphone là? Ouais, mais écoute, tu passes au cabinet médical là. Il y a un panneau marqué cabinet médical fermé, signé Guillaume Meserman. Ça veut dire quoi? Bah, je crois que c'est clair, hein. Guillaume est parti au Laos en mission humanitaire. Il l'a vu? Je ne l'ai pas passé cette nuit. Il faut croire que non. Oh, il a dû prévenir ses patients quand même. Toi, tu le savais? Oui, on a parlé hier. Mais ça s'est décidé très vite, hein. Oui, quand même, alors si on a un pépin. Donc, ça, les gars, hein, sur le c'est d'un petit. égoïsme. Partir en mission humanitaire, tu trouves ça égoïste, toi? Non, mais enfin, ça se prépare. Donc, Hein, les ça gens. tombe mal, moi j'ai un mal de dos. Écoute, tu devrais survivre, hein, même sans généraliste à 10 mètres de chez toi. Toi, tu t'en fiches, évidemment, hein, ça te fait rien, hein, il ne va pas te manquer. Espèce de trou du Maman, cul, il est va. juste parti à l'étranger. Oui, d'accord, mais bon. Et en plus. Allez! Bon, ben, ça, je crois qu'il ne sait pas lui-même. Écoute, il est parti à Allez! l'étranger, heureux. C'est tout ce qui compte, non? Oh non, les gars, il y a tout qui se met à bugger là. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour couvrir Abdel. Donc, les gars, j'ai plus moyen de me Mais le faire truc, c'est marche pas que. arrière et à nouveau ça bloque. Avec l'enregistrement, ça va être facile. Boer me connaît trop et il sait que Allez, j'ai vas-y, couvert tu me Abdel laisses quand passer il a. parce que là, oufti. Tu vois bien que ça sert à rien tout ce que tu fais. Je m'en fous. Je continuerai à protéger mon fils. Tu pourras pas lutter indéfiniment. Tôt ou tard, la réalité va le rattraper. Ah, Elsa. J'ai pas besoin d'entendre ça. ça. Ça, c'est Mais les petits garde-le, tourneurs putain. Rikikus. Bon, à toi-même.
Même sans le vouloir, tu finiras par livrer Abdel. Regarde-moi bien. Si je vais me prendre ta plus grosse, elle sera de face. Punaise. Je sais que je vais me protéger. Dire du mal de toi. Oh non, pas la voiture. Ah ouais, pourquoi? Parce que moi, j'arrête pas. Quand je me lâche, ça me fait un bien fou. Mais bon, ton père, il supporte pas trop. Ça va. Et tu dis quoi sur moi? Bon, c'est rien. Laisse tomber, c'est pas important. Merci. Qu'est-ce que t'as envie de prochain? Tu veux vraiment savoir? Parce que la liste est longue. Ah ouais? J'aimerais bien. J'aime bien quand on est froid avec moi. T'es devenu insensible, inhumain. Tu penses que ta petite gueule. Vraiment. T'as sacrifié ton âme en souvenir d'une femme qui a passé sa vie à nous trahir. Je continue. Je t'ai mis ça, les flyers. J'ai vu, cousin, c'était elle. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive encore, là? C'est comme si elle sortait d'un rêve. Qui ça, Coralie? Coralie? Mais vas-y, je sais même pas qui c'est. Comment schizo, toi, hein. Je comprends pourquoi ta mère elle se fait du souci pour toi. Je suis amoureux. Mais on peut savoir qui est la malheureuse élue. Tiens, regarde, c'est elle. Ah oh bah merde, je crois bien que j'avais cassé les vitesses, ouais, en fait. Tu sais comment elle s'appelle? Mais tu te fous de moi ou quoi? Tu prends la photo d'une meuf en loose day comme ça, mais t'es un pervers. Hein. Vas-y, c'est bon, c'est parlé. Mais alors t'allais la brancher sur la place comme ça, comme un gros. Non, mais c'était trop intense ce que j'ai ressenti. Franchement, je ressens comme un grand vide. J'arrive même pas à respirer. T'es surtout en train de m'embrouiller pour pas aller distribuer les flyers. Mais allez, comment tu peux me dire ça? Je sais pas, peut-être parce que t'en es capable, tu vois. Je me confie à toi, je t'ouvre mon cœur. Et toi, tu penses business? Je suis choqué. Ok, et tu comptes faire quoi alors pour la retrouver? Franchement, je sais pas. Maintenant que je sais qu'elle existe, je sais pas si je pourrais vivre sans elle. Bon, y'a quoi dans le sac? Non, y'a rien. Ouf! Il veut pas savoir. Pas du tout. C'est normal, hein. Moi aussi ça me fait bizarre que ça partit ton père. Non mais vous arrêtez là, moi je m'en fous, hein. J'ai coupé le cordon. Ah bah génial, du coup on ouvre, regarde. 1, 2, 3. Un appareil à raclette. C'est super chelou ça comme cadeau. C'est pourri. Bah je sais pas, t'aimes bien la raclette? En plus il y a tout ce qu'il faut, regarde. Charcuterie, fromage. Il y a un petit mot. Tiens, fils, tout ce qu'il faut pour passer un bon moment entre colocs. Je sais que je te laisse en bonne compagnie. Buvez un verre à ma santé, papa qui t'embrasse fort. Mais tu vois, il t'aime. Et il va partir comme un voleur. Et quand il dit buvez un coup à ma santé, il n'est pas de ma mort. Allez, fais pas cette tête. Tu le reverras, ton père. Je pense qu'il a reculé, peut-être qu'il part au-dessus de la ligne centrale. Et toi, t'es avec nous, hein? Ah oui, non, il est hors de question que t'aies divagué au bout du monde, toi, tu restes ici. Bah, allez, viens. T'as un petit selfie? Ah, vas-y, tiens. Ah, j'ai compris, t'as auto, en fait, j'ai cassé la marche arrière, la marche avant et le DNR, quoi, complètement. T'as raison, elle a piqué ton caleçon. Quoi? Il s'est branché tout à l'heure pour ranger un carton et il avait ton bleu, tu sais, avec l'effet orange. Laissez-moi rentrer dedans les véhicules. C'est comme les grand-mères, hein, tu mets un verre au placard. C'est qui m'a explosé mon forfait mobile aussi. T'es pas en illimité comme tout le monde? Si, mais le monsieur appelle sa mère tous les soirs, pendant une heure. Elle est en Grèce. Ah, ok. Bon, alors je veux pas balancer, mais la dernière fois, il a oublié de fermer la page internet qu'il avait consultée. Tu veux que je te dise ce que c'était? Non, je veux pas savoir. Je te dis comme ça. Non, je veux pas. Tu sais, le festival de Loche. Alors ça n'avait rien à voir avec la ville de Loche, si tu vois ce que je veux dire. Le pire, c'est qu'après, j'avais des nanas à poil qui surgissaient toutes les deux secondes. Il y avait une cliente qui était derrière, cherchait la carafe. Je suis désolé, vraiment. Je vais te regarder sévère quand même. Ouais, bah ouais, je suis sûre que ça va marcher, ouais. Je comprends pas, mais moi j'étais pas comme ça en plus jeune, hein. Non, bah non, bien sûr. Moi aussi, en fait, j'aurais fait même 100 fois pire. Ça fait longtemps que j'ai pas vu sourire comme ça, c'est chouette. Ah, ça, j'aime bien ta tête les 200. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine.